Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ObjectifMoto.com. On va vous parler aujourd'hui d'un sujet qui nous tient à cœur, et vous également aussi probablement, c'est la sécurisation de votre moto, qu'elle soit neuve, qu'elle soit vieille, enfin c'est notre moto et forcément on aimerait bien la garder le plus longtemps possible et pas se la faire voler par un mécréant, pour ne pas dire autre chose. Vous voyez, on reste malgré tout poli. Donc forcément, qu'est-ce qu'on peut faire pour sécuriser sa moto? Eh bien, nous avons tout ce qui est système mécanique. Que ce soit ça, un bloc disque, un U. C'est le strict minimum. Évidemment, ne laissez jamais, au grand jamais, votre moto sans aucune protection. Même pour 5 minutes, la moto risque de s'envoler très rapidement. C'est malheureux, c'est les temps modernes, on ne peut rien y faire. Donc, protection mécanique, ça forcément, on ne peut que vous le conseiller. Mais il existe aussi d'autres solutions plus modernes qui ne va pas remplacer la protection mécanique. On reste d'avis qu'il faudrait mêler un petit peu les deux. C'est un système de tracker par GPS. Alors, je sais, vous allez peut-être me dire déjà, oh, oui, mais on en a vu, c'est très cher, il faut payer un abonnement, ça coûte beaucoup d'argent. Oui et non. Le modèle qu'on vous présente ici coûte, de mémoire, 189 euros. Vérifiez dans l'article pour confirmation. Et n'a besoin d'aucun abonnement. Aucun besoin de société extérieure, pas d'application. Il vous faut juste l'appareil, forcément, ça va de soi, et un smartphone qui fonctionne sous Android ou sous iOS, peu importe, à partir du moment où il peut envoyer des SMS et les recevoir, de préférence avec une connexion qui vous permet via Wi-Fi ou 3G ou 4G de vous connecter, et vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors ici, on a choisi volontairement un modèle portatif. Voilà, il n'est pas plus grand que ça. Ici, c'est un modèle spécial parce qu'il est équipé d'aimants, ce qui nous permet justement de pouvoir le placer sur toutes nos motos d'essai. Oui, ne pensez pas que toutes les motos d'essai vont partir se balader sans être sécurisées. Donc, quatre gros aimants à l'arrière. Évidemment, ne mettez pas sur le smartphone parce que le smartphone risque de ne pas apprécier. Mais ça vous permet de le placer sous la selle, un petit peu partout sur votre moto. Vous pourrez voir sur le site mouchardgps.fr, puisque c'est eux qui nous ont fourni ce tracker AT1, qu'il existe une version que l'on peut monter et brancher en définitif sur sa moto. Celui-ci fonctionne forcément avec une batterie intégrée, mais peut aussi être relié de façon permanente à la moto. Tout dépend un petit peu de ce que vous souhaitez faire. Forcément, si vous restez plus qu'une semaine avec votre moto, ce qui n'est pas forcément le cas chez nous quand on fait des essais, le modèle intégré à la moto peut être un plus pour vous, ou simplement si vous souhaitez la protéger à certains moments et pas à d'autres, eh bien, le modèle comme celui-ci est intéressant. Alors, forcément on trouve le boîtier, la batterie est à l'intérieur de la boîte, à la place intérieure, ainsi que un adaptateur pour pouvoir le brancher en continu sur le circuit de la moto et de quoi recharger votre appareil. Alors comment ça marche? En quoi ça consiste? Eh bien en fait c'est relativement simple. Il vous faut en plus une carte SIM. Vous prenez n'importe quel abonnement ou carte prépayée à partir du moment où elle peut vous envoyer des SMS en Belgique, en France ou à l'étranger selon votre pays de départ. Prévoyez quand même que la moto risque, si on vous la vole, de ne pas forcément rester en Belgique ou en France, selon le voleur qui vous l'a piqué. Alors, le système en lui-même est très simple. Un seul bouton sur l'avant. Voilà. Le système donc, va chercher... Bon, ici, on est dans une pièce, donc forcément, pour retrouver le satellite, il vaut mieux faire l'installation à l'extérieur, mais malgré tout. Donc le système va se relier au système GPRS, donc pour ce qui est la connexion avec la carte SIM, donc comme un téléphone normal.
et également va pouvoir prendre une position GPS. Plusieurs options. Soit vous laissez simplement le modèle caché sur votre moto. Bon, admettons, vous sortez de votre bureau, du magasin, peu importe, votre moto a disparu. Pas de bol, les antivols mécaniques n'ont pas suffi, la moto est quand même partie. Mais votre tracker, lui, est visiblement resté dans la moto. On prend son smartphone, un petit SMS au numéro de votre appareil pour lui demander la position. L'appareil va renvoyer sur votre GSM, uniquement sur votre GSM, puisque vous pouvez programmer plusieurs numéros, mais il faut qu'il soit programmé dans l'appareil. Il vous renvoie un lien avec une position Google Maps. Vous utilisez le Wi-Fi ou le 3G et vous pouvez situer votre moto. Que demander plus? Ne prenez pas de risque, évidemment, ça va de soi. Repérez les lieux ou prévenez la police. On ne voudrait pas qu'il vous arrive des bricoles. Autre possibilité, il y a un détecteur de mouvement dans l'appareil qu'on peut aussi activer via le smartphone. Il vous suffit d'envoyer un code précis à votre traceur. Il vous répond « Ok, le système est en marche ». Et si on vient déplacer votre moto, eh bien, vous allez recevoir une alerte SMS sur votre téléphone en vous prévenant évidemment que le traceur a détecté un mouvement. Soit vous en restez là, vous allez voir, il n'y a rien de spécial, soit la moto démarre et à ce moment-là, vous allez recevoir régulièrement les informations, les positions par SMS sur votre smartphone. C'est un petit peu long à expliquer, mais vous allez voir tous les détails dans l'article. Alors, toutes les notifications que vous recevez sont en anglais, mais elles sont relativement succinctes et faciles à comprendre. On peut aussi déterminer une zone à ne pas franchir, mais là, franchement, en cas d'utilisation anti-vol, je ne vois pas très bien l'intérêt, sauf si vous laissez quelqu'un tester la machine ou pour des applications peut-être professionnelles en vous disant « voilà, mon appareil, que ce soit un quad, une moto, une voiture, un karting ou n'importe quoi, ne peut pas... sortir du circuit, et bien vous pouvez délimiter un cercle à partir d'un certain point en disant voilà, s'il franchit la zone, alors il se met à sonner. On a également testé, et ça vous allez le voir en image par la suite, on a également testé donc forcément la fonction en extérieur. Il donne effectivement le lien Google Maps. Le lien Google Maps, lui, est aussi assez précis. Bon, ça vous donnera pas à 50 cm près où se trouve votre moto, mais ça vous donne une idée plus que convenable de savoir où est la police. Et donc, comme on vous le disait, il n'y a pas d'autres frais. Vous achetez l'appareil, vous achetez la carte SIM, forcément, abonnement ou prépayé, c'est à vous de voir. Et à ce moment-là, eh bien, il n'y a plus que les échanges SMS entre traceurs et vous et vous-même, ou d'autres numéros, parce qu'on peut programmer d'autres numéros. On vous parlera bien entendu dans l'article de l'autonomie ici sur batterie, même si on sait bien que la plupart d'entre vous choisiront plutôt la version à brancher sur la batterie de la moto. Là par contre, on ne peut pas vous parler de l'autonomie de votre propre batterie de moto, puisque forcément, ce n'est pas notre application. Mais on vous donnera malgré tout les détails dans l'article. Donc voilà, une solution pour protéger sa moto. Finalement, un investissement de moins de 200 euros avec la carte SIM pour protéger une moto. Faites un petit peu le compte. Ça ne vous dispense pas évidemment de mettre un bloc disque, de mettre un U à votre moto, mais ça peut vous rassurer parce que si vous mettez l'alarme vibration, forcément, dès qu'on déplace la moto, vous serez averti, vous pourrez venir voir sur place ce qui se passe. Ne serait-ce que par exemple que si quelqu'un l'a renversé et que vous voulez le voir, ça peut aussi servir. Ça vous donne les liens pour suivre, pas en permanence la moto, mais sur intervalles réguliers. Ça vous permet de suivre les points de passage de la moto ou éventuellement de la retrouver si elle a été volée et se retrouve quelque part d'autre. Alors évidemment, il y a des limites.
ça reste un capteur GPS, donc forcément si elle est enterrée au troisième sous-sol ou sous un grand building ou que sais-je, dans un endroit très confiné, il y aurait une limite, ça va de soi. Mais n'oubliez pas qu'il peut déjà vous donner la position juste avant peut-être l'entreposage. Ça permet au moins de délimiter un certain rayon d'action ou de recherche. Autre point aussi ici sur la batterie, sur l'appareil sur batterie, quand la batterie devient trop faible, donc à 20% d'autonomie, vous allez recevoir un SMS vous prévenant que la batterie se décharge. Et quand elle est vraiment très proche de zéro, vous recevrez à nouveau un SMS pour vous dire là, il est vraiment temps, si vous voulez garder la protection de la moto, de recharger la batterie. Alors là, par exemple, ça fait déjà plusieurs jours qu'on a l'appareil allumé. Et jusque-là, comme vous pouvez le voir, il fonctionne toujours. Bon, évidemment, quand on n'a pas besoin de protéger, on l'éteint. Vous pouvez également contacter votre traceur et faire une écoute discrète de ce qui peut se passer autour de lui. On ne sait jamais, ça peut toujours servir également, que ce soit pour vous ou pour les forces de l'ordre. Évidemment, le traceur ne sonne pas, ça va de soi. Donc vous pouvez lui téléphoner, il va simplement décrochage automatique et vous donner plus de renseignements éventuellement sur l'environnement ou sur ce qui se passe autour de votre appareil. Donc, alors, par pitié, ne vous prenez pas pour un justicier. À la télé, c'est bien joli, mais ne prenez pas de risques inutiles. Qu'on soit bien tous clairs de ce côté-là, c'est pratique, ça va vous renseigner peut-être où se trouve votre moto, vous pouvez aller voir éventuellement sur place, mais faites gaffe, on vous a volé votre moto, ce n'est pas l'enfant de cœur du coin, forcément. Autant vous prévenir. C'est rien non plus de vanter les mérites d'un antivol électronique et d'un traceur GPS si c'est pour vous envoyer à l'abattoir juste après. Donc prévenez la police, dites éventuellement que votre système est protégé, vous pouvez le renseigner. Après, nous, on vous a mis en garde, vous faites ce que vous voulez. On peut très bien comprendre aussi qu'on vous a volé votre moto. On en a une nous-mêmes forcément, on sait très bien ce que ça veut dire. Voilà, donc nous remercions aussi la société Atexis, ou aussi connue sous le site mouchardgps.fr, donc www.mouchardgps.fr. Vous retrouvez bien entendu les coordonnées complètes sur notre site, qui nous a fourni ce modèle pour notre essai. Il y a d'autres modèles également sur leur site, dont le modèle forcément intégrable à la moto. On peut vous conseiller que d'aller voir sur leur site. Nous, on est conquis, ce modèle-là, on le garde, on l'utilise sur tous nos essais. Messieurs, vous êtes prévenus. Voilà, que vous dire de plus? Eh bien, on est bien content de pouvoir enfin protéger nos motos avec un traceur GPS qui ne nous coûte que les SMS et la carte SIM. Un prix assez raisonnable. On a fait un petit peu le tour, vraiment pas beaucoup de défauts à signaler sur cet appareil, voire aucun. Si ce n'est évidemment l'autonomie de la batterie, mais on a volontairement choisi un modèle sur batterie. C'était Diabolocile pour ObjectifMoto.com. Retrouvez toute l'actualité de la moto et tous nos essais sur notre site www.objectif-moto.com. A très bientôt!